Alors, dans le cadre de parasol, on va trouver des vrais arbres matures, des arbres adultes. Alors que chez nous, on a installé des arbres qui sont jeunes. Et donc, on a besoin d'informations sur les arbres adultes. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la valeur fourragère de ces ressources arborées pour l'élevage. Et en particulier, on s'est rendu compte que la valeur fourragère, c'était un des points noirs au niveau des éleveurs lorsqu'on les interroge sur leur non-utilisation de ressources agroforestières. Ils nous disent c'est bien, c'est pourquoi pas, mais on ne sait pas ce que ça vaut. On sait ce que vaut une luzerne, on sait ce que vaut un maïs ou un régras. Par contre, des feuilles de mûrier ou des feuilles de frêne, on ne sait pas. Après, ce qu'on appelle la valeur alimentaire et qu'on va essayer de regarder, c'est d'abord la valeur azotée, donc les matières azotées totales, et puis aussi la valeur énergétique qu'on va essayer d'approcher par la digestibilité qu'on mesurera en chimie, avec des méthodes de chimie. Et puis, on va aussi s'intéresser aux tanins, qui sont des facteurs qui peuvent limiter la digestibilité des ligneux dans le rumen d'un ruminant. Alors, dans Parasol, ce qu'on va essayer de valoriser, c'est le côté pédoclimatique qui est variable. Dans Parasol, il y a une zone nord, une zone centre et une zone sud. Et là, il y a probablement des réponses différentes des espèces. Et donc, on va essayer d'avoir des frênes, des merisiers, des érables, peut-être des noyers aussi. Il y a aussi une espèce qui est très intéressante, c'est le mûrier blanc, et en particulier quand il est conduit sous forme de têtard. Les têtards qu'on suppose être capables d'être pâturés directement par les ovins ou même des bovins. Ce qui est très important aussi, c'est l'effet saison. Et donc, la valeur alimentaire, elle va dépendre évidemment de la saison, printemps, été, automne. Et donc, on va polariser nos observations sur l'été, hein, dans la période où il y a un manque de ressources fourragères, aussi sur l'automne, mais on va aussi regarder le potentiel qu'il y a au printemps, au cas où il y aurait par exemple une sécheresse très importante et où les éleveurs n'auraient que ces ressources ligneuses à les pâturer par exemple. Alors je pense que si les éleveurs ils veulent avoir une diminution de leur charge d'exploitation, il faut absolument faire le plus possible de pâturage. Et je pense que pour faire du pâturage, il faut aussi passer les mauvaises saisons. Passer les mauvaises saisons comme l'été ou la fin d'automne au pâturage, ce n'est pas avec les ressources classiques traditionnelles qu'on peut y arriver. Et il me semble que si les ressources ligneuses, à savoir les arbres, les arbustes, les haies, voire même les vignes, peuvent servir à fournir 10 à 20, 30% de la ration alimentaire en été ou en automne pour un troupeau ovin, alors là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour les éleveurs, quoi.